Salut tout le monde, je suis MikaRobGaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadows of the Tomb Raider. Dans le dernier épisode, Oshu m'avait demandé d'aller chercher une amulette pour je crois que c'est ça fait partie de l'un des trois objets avec l'arc et l'autre, je sais plus ce que c'était, pour pas la passation mais pour le fils de Onuranu, c'est ça, pour devenir le prince ou je sais pas quoi, un truc comme ça, ou pour succéder à sa mère, je sais plus trop quoi, faudrait que je regarde encore. Et donc Onuranu était parti pour sauver son fils qui avait été enlevé par le culte, et qui a été après libéré par sa mère et son bras droit, le bras droit de sa mère je veux dire. Sauf que au moment de partir, l'un des gardes les a vus, et elle a demandé de barrez-vous. Et elle est restée, et elle s'est fait capturer par les gardes du culte. Et moi, je suis parti en fait. Elle m'a dit non, ne les tue pas. Donc moi, je suis parti pour aller récupérer normalement la boîte qui permet en fait, enfin qui est liée avec la dague. Donc on est go. Voilà. Je regarde si il y a là. À cause de moi, il tient Onuranu. Onuranu, pas Onuranu. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. Bah oui. Pourquoi tu fais ça? Ok. Pas trop compris pourquoi t'as soufflé. Hein. Un document. 29 novembre 1603. Au dîner, Lopez m'a demandé si je pensais que ces païens pouvaient être dignes de la puissance supposée de l'artefact. Je dois avouer que si les habitants de Paititi pouvaient paraître nobles et industrieux, leur maigreur, leur énergie et leur absence de honte m'évoquaient des bêtes. Et ceux qui gouvernent nos sociétés, m'a-t-il soudain demandé, lorsque, d'un geste de leurs mains baguées et parfumées, ils nous intiment de leur obéir, est-il normal que nous le fassions, que nous leur obéissions au doigt et à l'œil, qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des bêtes parfois même? Je n'ai pas su quoi répondre. Ces propos relevaient de l'hérésie et de la trahison. Mais d'une certaine manière, je me demandais s'il n'était pas dans le vrai. C'est sûr. Là, c'est ça se pose des questions. C'est sûr que les sauvages, non. Ça peut être aussi ceux qui nous gouvernent. Même s'ils sont civilisés, dans un sens. Hein, je suis un peu d'accord avec ce que l'autre a dit. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Donc, là, non. Et je passe par ici. Ok. Qui a bien pu faire ça? Les monstres! C'est pas Maya ni Inca. Attends, je regarde, c'est des trucs à faire. Non, c'est de la lumière. Là. Je peux rien récupérer. En même temps, je me fais pas trop toucher, hein. L'œil du serpent. C'est là, oui. Je peux plonger. Ok. C'est parti. Oh. Bam. J'aurais peut-être dû prendre une photo. C'est superbe. Alors là, il y a des piranhas. J'essaie de choper la lore qui est juste en bas là. Avant qu'ils ne reviennent. Allez! C'est là-bas. Je
regarde s'il y a des trucs à faire. Il y a une caisse tout en bas. On va essayer d'y aller. Je vais te passer en dessous d'eux. Là, il y a ça. J'ai pas une caisse. Attends, on va remonter déjà. Ça, ok. Mais j'avais vu une caisse. Elle est là. D'accord. Oh, ça fait peur. Oh non, il m'attaque. Ah putain. Je savais pas qu'il m'avait vu. Bon, au moins j'ai pu récupérer ce qu'il y avait dans la boîte, mais par contre je crois hein, normalement. Ouais. Il y a un truc tout en bas. Allez, récupère ça et après on monte. Ils sont là-bas. Je suis parti vite parce qu'ils étaient pas loin. Ok, non, c'est pas des piranhas, sinon ils m'auraient attaqué. Ok. Bon, j'ai récupéré l'essentiel, hein, en termes de soins, tout ça, je suis full. On va passer par ici. On va voir ce qu'il y a ici d'abord. Un autre document. C'est pour une carte, ça, non? Ouais. Ça, ça va. Ça me dit les... D'accord, ça va être super grand ici, ok. Ok. Il y aura beaucoup de choses à récupérer ici, aussi. Donc, je le récupérerai hors vidéo. Je récupère que les trucs qui sont, voilà, sur mon chemin quand je tourne. Mais sinon... ça sera hors vidéo. Est-ce qu'il y a encore... Ah, attends. Est-ce que je peux prendre ça ou pas? Non. C'est plein. Attends, est-ce que je peux... Non. Je vais faire là. Non, non, reviens ici. Il y a un truc là. Faut que j'aille vite parce que ma manette vibre quand elle est en manque d'oxygène. Donc là, là, là. Ah non, c'est juste pour la lumière. Dépêche-toi, dépêche-toi. Là, allez, si, si, si. Voilà. Ouh. Regarde ce que j'ai pu louper, il y a ça, mais bon, j'en ai déjà pas mal de... Ah, je vais essayer de récupérer la boîte. Ok, je suis passé en dessous, en fait. Ou pas. Là. On a récupéré pas mal d'or, hein. Reprendre de l'oxygène. On est go. Il n'y a pas trop chose à récupérer. C'est là-bas. On va aller là-bas d'abord. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que...
J'ai entendu quelqu'un. Enfin, ça. Tu veux rien là. Comme ça, là. Alors. Un frottage des parois du cénote. Rien qu'un grand X et le mot fuit. Ok. On peut pas y aller. D'accord. Il y avait quelque chose. Ça se voyait. Donc elle disparaît par là. Ou pas. Apparemment on dirait pas que c'est... qu'il y a un tunnel. Je sais pas, ça doit être son nid ou un truc comme ça là. Pas ce que c'était. Donc on va par ici. Il devait pas y avoir de l'eau ici avant, à une certaine époque. Puisqu'il y a des constructions sous l'eau, donc... Là. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu quelque chose, moi. Quelque chose qui grimpait. Donc là, il y avait un piège. De toute façon, j'avais vu la corde. Ça fait film d'horreur là. Ou jeu d'horreur, je veux dire. Là-haut. Il y a quelque chose. Ou quelqu'un. Ça s'approche, peu plus, mais. On dirait quelqu'un qui est pendu. On voit pas la corde au-dessus, mais je pense qu'il est pendu. Faut que j'aille là-bas, mais je voulais regarder d'abord s'il y avait un chemin sur le côté. Oh là, il y a quelque chose là. Il y avait clairement quelque chose. Là aussi. C'est un peu plus. Là. Voilà. J'ai trébuché ou on m'a acheté quelque chose parce que. J'ai pas compris là. Il m'est arrivé quelque chose là, non? Là. Clairement. Ça doit être une tribu qui est restée sauvage dans le sens où ils sont pas civilisés. C'est par où? Ok, d'accord, on va aller là-bas d'abord. Ok, ça devient de plus en plus dangereux. Je sens qu'on va se battre. Matériellement encore. Pour passer, ouais, fusil à pompe. Mais j'ai pas de fusil à pompe. Je devrais en avoir un depuis longtemps, normalement. Il y a un truc là-bas au fond. Voilà. Boîte là. C'est quoi, c'est de l'eau qui coule, ça c'est sûr. Là je peux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi elle a coupé sa lumière? Il y a besoin de lumière là. 1er décembre 1603. Nous avons pénétré dans un cénote non loin de la cité et établi notre campement dans une petite alcôve naturelle. Lopez a passé toute la soirée à regarder les flammes, comme ensorcelé, et n'a pas touché à son dîner. À deux reprises, j'ai tenté d'initier la conversation,
mais il ne m'a gratifié que de son silence. Il est obnubilé par cet artefact, et si j'étais superstitieux, je me demanderais si cet objet ne communique pas avec lui. Les soldats aussi sont taciturnes et semblent avoir hâte de se battre. Un de leurs chiens m'a regardé fixement toute la soirée, comme s'il voulait faire de moi son prochain repas. Ok, surtout avec la musique, hein, qui était pas très rassurant. Donc il y a là, je vais d'abord les voir là. Défi tombeau. Ok, d'accord, on fera ça plus tard. Ou alors, si tiens, on n'est pas fait énormément depuis le début. On va voir si je peux, il y a déjà aller jusqu'au bout. Parce que s'il faut à un moment donné un fusil à pompe, bah je peux pas. Bah je viens déjà là. Ah non. Ah bah oui, regarde, fusil à pompe, donc je peux pas. Je peux pas, donc on va aller ici. À moins qu'on ait fait le tour. Sinon maintenant, ça m'aurait mis des fils tombeau sinon. Si tu peux aller un peu plus vite Lara, ça m'arrangerait. Ouais, je suis revenu en arrière en fait là. Ok, bon, on retourne. Lara, s'il te plaît. Ça résonne bien. C'est parti. Allez. C'est simple. Ok, donc c'est par le haut, c'est par ici. Je dois aller là-bas. Voilà, c'est fait. Ah mince! Attends, faut que je fasse un double saut. Voilà. J'avais pas vu que j'allais faire un double saut. Voilà. Quelque chose par là? Non, rien. On peut y aller. Oh là là. Non, arrête de sauter. Là, voilà, il est pendu et c'est un soldat des Trinitaires, ça c'est clair. Non, pourquoi c'est... Voilà. Ah, fusil à pompe, voilà. Allez, prends-le! Prends les balles sur son épaule. Et voilà, un fusil à pompe. C'était bien. Un moment. Voilà. Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu. Inventaire. Faire le fusil à pompe. Il est où? Là. Du dégât. Non, qu'est-ce que tu fais? On va faire un de chaque, comme ça au moins ce sera fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux? J'ai 3 points. Ça, c'est pourquoi c'est les pilleurs. Chercheurs. Et guerrier. Un point de compétence, il faut ça. C'est quoi ça? Chute de renard. Réduit les dégâts quand vous tombez de haut.
l'instant ça va. Et résister aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps du temps. Ouais, on va faire ça. J'en ai vraiment besoin pour l'instant de ça. J'en avais vraiment besoin. Voilà, c'est bon, je peux plus rien, j'ai qu'un point et je peux pas l'utiliser. Y'a rien par là, j'ai que non. C'est parti. Maintenant je pourrais revenir en arrière et voir qu'il y a des endroits où je pouvais utiliser le fusil à pompe. Donc je ferai ça aussi. Voilà, merci. Je regarde s'il y a des trucs à récupérer. C'est quoi ça? Ah, c'est la poudre. Rien. On peut y aller. Oula, le silence vient de tomber. Plus de musique là. Et du sang. Là. On l'a vu très clairement là. Une de là. Là. On voit très bien l'ombre. Mais avant. Non, il n'y a rien ici. C'est bon, tu peux rebouffer. Hein. Oh putain! Ça m'a fait peur celui-là. Attends, je vais prendre ça, ce sera beaucoup mieux. Trop utilisé. On va prendre un peu plus avant. Oula, lui utilise ça. Là-bas. Attends. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est très dangereux. Aïe. Ah, putain. Aïe. Ça fait mal. Ah. Ils esquivent bien. Ils sont deux, ils sont trop rapides. Voilà, bon, plus qu'un. Ah, putain. Ils esquivent, putain. Non, non, putain. Ah. Ils arrêtent pas d'esquiver, en fait. C'est chiant. Non, putain, mais c'est chiant. Pourquoi ils nous font toujours recommencer dès le début? J'en ai vraiment marre de ces jeux qui arrivent pas à nous faire recommencer. Là, on en vit. Allez, putain, mais... Chut.
Mais non, mais c'est pas ça que j'ai choisi. Léo. Voilà. Ah mince. Non. Ils arrivent ou pas? Ah mais ils font trop mal! Comment ils peuvent faire énormément mal? Ah putain, mais il est juste à côté de toi! Qu'est-ce que tu fous? Aïe, ils sont où, sont. C'est bon ou pas bon là? Faut que je bouge. Récupère. C'est par où? Par là. Attends. C'est dingue hein. Comment je peux... Comment ils peuvent donner autant de dégâts? Les autres, ils en faisaient pas autant, les soldats. Si. Par contre, faudra que je refasse plutôt. Que... Je sais plus quoi... Non, reviens. Que je refasse mon sac de munitions là. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On va faire avec un peu à l'arc quand il y en aura d'autres. Là, ça va être le moment horreur hein. C'est ouais. Ça devrait pouvoir tourner. Non, j'ai pas assez. Les choses en bas. Si vous pouvez passer par ici, j'imagine que moi aussi. On va retirer ça. Je vais devoir le tourner moi-même. Ah oui, attends, non. Je viens de voir, là. Voilà. Ça ouvre quoi? Ah, peut-être tout derrière là, non? Ouais, c'est ça. C'est bon. Et ici, il y a quoi? Voilà. À distance. Qu'est-ce que c'est? Ce chapelet est composé de 6 dizaines de grains au lieu de 5. C'est un magnifique exemple de la version de l'ordre de Sainte Brigitte. On dirait qu'il y a quelque chose de gravé. Andrés Lopez ? Andrés Lopez. Connais pas ! Ok, maintenant on y va. J'ai compris qu'en fait c'était pour ouvrir un passage ici. Ah! C'est bon. Là, une caisse. Attends. Ah putain, c'est en contre-courant.
Allez, donne-moi ça. Là-haut, là-haut, là-haut. Non, on peut pas. Quelque chose en dessous. Non, y a rien. Allez, go, 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 remonte, remonte, remonte. Besoin d'air. On va récupérer ça. Il y a des tas de cadavres, c'est dingue. Bon. Oh non, 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 non. J'ai pas vu la corde. Heureusement que qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Le ralenti. Sont partout maintenant. C'était ça que j'avais vu vers le début du jeu. Nous ont poursuivis à travers les grottes, mais nous nous déplacions trop rapidement pour les décrire avec précision. La majorité des soldats sont morts en combattant. Ils ont été vaillants, mais l'ennemi était plus fort et plus nombreux. Lopez, moi-même, d'accord, le colliste à lui. Survivants, sommes arrivés à un temple splendide. Je me demande comment des hommes ont pu construire un tel édifice si profond sous la terre. Une porte massive nous a empêchés d'aller plus loin. Lopez, la voix agitée et haletante, a ordonné à Pérez, le dernier conquistador, de monter la garde pendant qu'il essayait de débloquer le mécanisme d'ouverture. La porte a fini par s'ouvrir, mais notre joie fut interrompue par les hurlements d'agonie de Pérez. Il me hante encore. Ok. Bon. Ici. Non. Prendre mes précautions. C'est bon. Premier décembre 1603. J'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit étrange. J'ai trouvé Lopez devant le feu qui n'était plus que des braises, comme absorbé. Je lui ai demandé s'il avait, lui aussi, entendu le bruit. Il m'a répondu par un grognement. Je lui ai jeté une couverture sur les épaules et j'ai entrepris de ranimer le feu. Enfin, je me suis assis et j'ai tendu l'oreille. Des cris et des sifflements, probablement déformés par les méandres des boyaux de la grotte. Mais plus loin, derrière tous ces sons, j'ai discerné un faible bourdonnement. J'ai déjà cru entendre quelque chose d'approchant, mais rarement et seulement au plus profond de mes prières. J'ai cru entendre la voix de Dieu. Mmh. Tiens, c'est en bas que je dois aller. Ça alors, y a quoi ouais. Derrière cette porte? On va le découvrir. Ah, tu peux me prévenir avant, non? Récupérer ça. Caisse au fond. Il y a ça. Je pense qu'on fera ça. On fera exploser. Elle est où la caisse? Elle est là-bas. Allez, remonte. Voilà. Je peux aller quelque part. Je peux aller ici ou pas? Ah oui, je peux. Non, c'est pas rouge, c'est-à-dire que je peux pas.
qu'il y a quelque chose qui va se libérer ou un truc comme ça. Y a rien ici. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir ici à part cette porte ? Je vais pas y aller de suite, je vais attendre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a un pot là-bas. On récupérera plus tard. On va récupérer tout ce qui est ici. C'est qu'il y a des ennemis. Pardon. C'est qu'il y a des ennemis ici. Donc là, je reviens ici. Là-bas. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Je suis déjà à donf. Je peux plus rien récupérer, je suis vraiment à fond. Ah putain! Oh. Mais est-ce qu'il marche pas? Viens là. Dingue, hein. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Il y en a d'autres. Quand elle est baissée comme ça. Voilà, merci. Je suis plus sur cette épaule là. D'accord, en fait, ces trucs là, là. Bon, là, c'est pas là, mais. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ces trucs là-bas, en fait, là, en jaune. Ça veut dire que c'est de là qu'ils attaquent. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là. Oui, je sais. C'est bon. J'essaie de les mettre en feu un peu aussi. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Eh bien là toi. Non. Non, c'est bon. Je regarde hein, parce que les cris là, ça me rassure pas. On va faire d'abord. On va faire celui-là. Pas besoin de couper la corde puisque ça l'enlève automatiquement quand on relance. Attends. Je comprends pas. Ah. D'accord. Attends. Ah. Ici. Je peux ou pas? Non. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ouais, je voudrais bien, mais y a pas là. Y a une corde là. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à. Faut que je coupe cette corde là. Je peux grimper ou pas là? Non. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Non.
Comment je fais là? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Là, il y a un truc là-bas, mais comment je fais pour... Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Voilà. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. On va essayer avec le fusil à pompe. Non. Qu'est-ce que je peux foutre ici? On va aller jusqu'à la porte, vite fait. La boîte est peut-être là. Ah, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je sais qu'il faut mettre l'eau sur le truc, mais là, je vois pas comment je peux y arriver. Attends. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Tiens. Tout est plein. Non. Je peux plus rien prendre. Là maintenant je peux parce que j'utilisais. Ah là, attends, il y a quelque chose. Non. C'est rouge. Tu peux? Ok, donc ça va servir à rien, ça. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ça, par contre, je vois pas comment je peux faire pour retirer cette corde. C'est cette corde qui me gêne. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ah si! Attends. Oui, oui, je viens de voir là. J'ai mis un moment avant de le voir, mais... Si, si. Là. Et je me disais, le tremplin il pouvait servir. C'est juste que j'ai pas fait gaffe. Voilà. On va y aller avant de retourner en arrière. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Tu vas pas le répéter ces 50 000 ans, hein? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Je regarde si je peux descendre et remonter sinon. Attends, on va voir. Je vais essayer. Je suis pas morte, donc normalement oui. Ok, d'accord, donc là je reviens en bas, ok. Je vais juste voir si je peux y aller là. Ouais, c'est bon, je peux. On va faire ça. Tu vois, truc de sauter haut pour pas avoir de dégâts. Là, je suis quand même sauté assez haut et j'ai aucun dégât. Donc, ça... Non. On va remettre ça à l'endroit. Là-bas. Là, il monte là-bas, là, en haut à gauche. Allez. Voilà. J'y suis presque. Mode photographe, je peux pas avancer ?
peux pas avancer la caméra. Grille. Hein. Alors. Attends. On va mettre celle-là. Comme dame, ça ici. Voilà, je peux pas mettre la tête. Il sort d'où comme ça? Allez, vas-y, tire. Ah! Aïe, aïe, ah putain, mais cache-toi toi aussi. Mais tire! Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu tires pas? Quoi? Mais qu'est-ce que... Ah, mais j'ai pourtant, j'ai pas tiré autant de flèches, j'avais tout refait. Ah mais là c'est pas pareil. Aïe. Mais pourquoi c'est qui me tire dessus? C'est qui me tire dessus là? Non. Hein, là-bas, ça je sais, mais comment il y a... J'étais derrière le pilier, comment il pouvait me toucher? Ah putain! Putain. Heureusement que j'avais été j'étais à fond. Hein. Aïe. On a un autre coup là. Où ça, où ça, où ça, où ça? Je le vois pas. Ah là-bas. Voilà. Bon, je refasse mon stock. Hein. Donc c'est bon, là c'est fini. Donc je revois les morts là. Voilà. Donc faut que je retourne à l'appart. Hein. On va repartir par là. Et on va s'arrêter ici, hein, devant cette porte. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, horrifique on va dire, hein, puisque c'était les cris, les ennemis qui apparaissent bim d'un coup comme ça, là ça m'a fait peur. Donc likez, oui c'est bon, j'ai cru que j'avais mal dit. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu, le plus gros que vous ayez. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire si ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouverai dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Because I know I'll kill my enemies when they come.